Discret, hein. Crois-moi que quand tu te balades avec ce truc dehors, là, on te regarde vraiment bizarrement, hein. Mais bon, la dure vie d'un youtubeur. Pourtant, croyez-moi qu'aujourd'hui est un superbe jour, non parce qu'il fait vraiment moche sa grand-mère en début mai. Ça fout quand même le seum, hein. On est vraiment en train de se faire arnaquer par le printemps qui est censé être la meilleure saison. Mais parce qu'après vous avoir montré les locaux, aujourd'hui est un jour où je vais... les signer. Et oui, ça y est, nous allons apposer la signature officielle sur le contrat, pouvoir disposer des clés. Bon, pas encore exactement aujourd'hui, mais après vous avoir montré à quoi ça va ressembler, j'ai bien envie de commencer à imaginer ce que ça pourrait être. Ce qui est quand même une très belle phrase. Nous sommes dans Lyon. Lyon 8ème, c'est joli. Donc là, on va aller en ville et on va signer les locaux. Attention, le petit plan où je vais signer le bout de papier, ça va être beau, ça. C'est signé. C'est signé. Plus qu'à vérifier qu'il y ait la fibre. Enfin, le quartier, tout est éligible. Donc ça devrait le faire. Petit rendez-vous fibre. Et on est enfin dedans. We are at home. Ça fait plaisir. Bon, vous vous doutez bien sans tout ça là, mais. C'est cool. Ça va, Thomas? Au calme. T'es content? Là, je viens de signer. On est bien. Hein. Ah, je suis refait, moi. Ça fait plaisir. Hein. Ah, franchement, plus je le vois, plus je me dis. L'idéal. Il y a des lumières en haut. Alors bon, par exemple ici, petit coup de peinture, histoire de ramener un peu de neuf, mais franchement c'est propre. Ça n'a pas été filmé, vous savez qu'à l'étage, donc là juste là au-dessus, il y a un voisin. Là, tout à l'heure, je te demande simplement si on peut avoir le numéro de téléphone pour présenter, parce que s'il y a un peu d'engueulade, un peu de cri avec Football Manager, on anticipe, tu vois, on dit voilà, on est là, on a le numéro de téléphone, contactez-nous. On veut savoir comme quoi, bah, c'est un abonné à ça qui est juste au-dessus, donc ça. Après l'abonné à pas abonné, si je hurle comme un goré, ça peut le déranger, mais bon, disons que ça peut faciliter la chose. Ils vont nous laisser un petit peu la pièce. Bon, je vais essayer de commencer à imaginer ce qu'on peut faire dedans. Je vais vous montrer également ce que je vais faire en termes de setup. Ça va avancer. En tout cas, merci à ceux qui ont envoyé des mails. Il y en a, ils ont envoyé des mails beaux gosses et tout pour nous aider. On va revenir vers vous, vous inquiétez pas. Des paires de bras, c'est fortement accepté. Du coup, maintenant, aux travaux. Alors, je vous explique. De tête, ce qui est prévu comme ça. Ici. Je pense que ce sera mon espace là. Donc bon, vous dégagez forcément les trucs de sport, vous avez compris. Oui, pense à un truc, quand tout va être motivé, ça va être immense. Ouais, ouais, non, mais c'est grand. Donc là-bas, à côté de la porte, il y a un placard. Je pense qu'ici, je vais foutre mon setup de stream. Et à côté du setup de stream, un endroit aménagé pour les vidéos. Comme ça, voilà, ça sera un décor spécial vidéo qui mêlera pas le stream. En gros, si on achète des gros panneaux de bois. Ouais. Et en gros, comme ça, on peut faire plusieurs fonds. Ici, on peut les interchanger, tu peux les changer et tu peux faire plusieurs fonds. Oui. Comme ça, en plus, tu peux le rapprocher du setup. Comme ça, t'as pas un fond qui est à 3 mètres derrière toi, mais genre à 1 mètre. Tu sais, t'as une grande plage de bois avec de la peinture, tout ça, ce que tu veux. Putain, prendre des locaux avec quelqu'un de créatif, c'est propre. Hein. Moi, je pense être ici tout simplement parce que d'une, c'est grand, mais bon, à côté, ça l'est aussi. Mais pour des raisons un peu plus techniques, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a l'abonné qui est au-dessus. Enfin, l'abonné, le voisin. Avant de l'appeler le l'abonné, on va l'appeler le voisin. Donc ici, et vu que je vais crier à des moments et faire du bruit en stream, vaut mieux que j'évite d'être au-dessus du gars qui habite, enfin en dessous du coup. Sachant que là-bas, au-dessus, c'est notre espace à nous. Il n'y a pas d'autres voisins, donc c'est cool. Et là, ici, ce serait l'espace de Thomas. Et là, Thomas va vous expliquer ce qu'il va faire. Je vais faire un endroit. L'idée, c'est que je puisse travailler, faire mes vidéos. Ouais. Et un fond studio pour faire de la photo et potentiellement de la vidéo. Ouais. Parce que je fais beaucoup de shooting pour ASICS et Adidas et je loue toujours des lieux dans Lyon. Et moi, je vais avoir mon lieu. Donc, je suppose que je vais mettre un fond de couleur qui va être de là. Et les fonds de couleur font en longueur 2,75 m. J'ai pris un mètre. Oh bah là c'est pas tout. Je vais le mettre ici pour gagner de la place, mais il va arriver juste ici. Bah il risque de pas rentrer. Ça va être un peu chiant. Bon, je vais mettre un fond couleur ici. Ok. Sûrement un bureau ici. Petit canapé avec petite table ici. Oh oui, non mais toi t'as de la suite dans les idées. Non, on va dormir ici. Et je vais trouver un endroit ici pour l'utiliser. Mais en gros, vraiment, ça va être un fond studio pour la location pour ceux qui veulent faire la photo en studio. Ouais. Pour venir ici. De la photo, donc tu veux louer de temps en temps aussi l'espace? Peut-être un à deux week-ends par mois à voir. Ok. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir un espace de travail vidéo, YouTube et création de photos. Et, franchement, c'est pas. Et à côté de ça, il y a ensuite le coin, je dirais, un peu plus casual. Et ça, c'est un coin où vraiment je veux qu'on se fasse plaisir. Donc, petite porte qui ramène. Oh, miroir.
Miroir, miroir, qui est la plus belle? Et attends. Alors, des escaliers en bois, donc faut faire attention. Faut pas être bourré, hein. Vaut mieux éviter, parce que sinon là, tu... Ah, l'escalier, il est un peu clin d'œil, genre, attendez, je vous le montre, mais... Ah, autant te dire, t'as intérêt d'être accroché, hein. Et là, ça donne deuxième espace, quand même très assez grand. C'est, ici, c'est à retaper, mais une fois que vous l'avez retapé, enfin, qu'on l'aura retapé, ça donnera quelque chose de très sympa. Là, j'imagine vraiment, on a un gros coffrage blanc. Ouais. Très, très blanc. Là, on va poser le vidéoprojecteur. D'accord. Canapé ici, et on fait l'euro. L'euro en juin, c'est ici. Donc l'euro, c'est ici, le coin de chill? L'euro, c'est ici. Les rendez-vous, c'est ici. Donc... Mini kitchen, enfin mini, tu sais, tu peux foutre des plaques histoire de pouvoir, ou un micro-ondes ou une merde. Un petit chiotard là-dedans. Effectivement, là, si tu fais un joli coin blanc, tu peux foutre facile un rétro-proche, petit canapé, la cheminée. Oh, t'as déchiré la cheminée, non, je rigole. C'est vrai que la cheminée. Donc il y a des endroits là, c'est pas terrible, terrible, mais bon. S'il y a des mecs ici qui se connaissent un petit peu, qui sont sur Lyon, dans les alentours et qui c'est leur métier. Si on peut avoir un devis, savoir comment ça chiffre. J'avoue. Vraiment, l'idée, c'est de tout faire en blanc avec du placo, une belle peinture, neuf, comme en bas. Ouais. Ouais. C'est juste faire ça. C'est vrai. Ça en plus. Et ça, à la limite, où là, il y a un danger, je pense également, c'est qu'on peut mettre en place un petit coffrage comme ça, blanc, histoire de cacher la misère. Ouais, j'avoue. Un petit peu de travaux là, comme ça, c'est bien parce qu'en gros, si vous voulez, on prend le. Notre bail commence début juin. Mais on a le truc à partir de mi-mai. Donc, mi-mai à début juin, on a en gros 2 semaines gratuites pour pouvoir procéder à divers aménagements, je dirais. Et à côté, je vais vous montrer ce que je vais faire en termes de setup. Du coup, en termes de setup, je vous explique ce que je vais faire. Je vais doubler le setup que j'ai chez moi à l'heure actuelle. Donc, le décor que vous voyez habituellement dans les vidéos et tout, bah, sera unique ici, mais celui de chez moi restera le même. Et en gros, le but d'avoir des locaux comme ça, c'est déjà d'avoir un autre décor et enfin un endroit dédié pour mes vidéos. Également, tu vois, avoir le côté recevoir des gens, sortir de chez soi pour aller travailler quelque part. Et en gros, chez moi, je continuerai à l'utiliser. Par exemple, si j'ai envie de stream un soir à 23h, bon, j'ai pas à me ramener ici, tu vois, je peux le faire de chez moi. Et pareil, si un jour il est dimanche, tu sais, j'ai un peu la flemme ou quoi. Voilà, ce sera vraiment le setup de secours. Mais ici, on va faire un brand new truc. Et je fais l'américain. Et en plus de faire le brand new truc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais doubler les setups. Donc en gros, je vais pas ramener les trucs de chez moi ici, je vais acheter que des trucs exclusifs pour ici. Alors en termes de décoration, j'ai déjà le magnifique tableau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc c'est un tableau Jujutsu Kaisen, il ira s'intégrer à un moment sur le mur. Et en plus de ce tableau, et eh ben, il y a également du matos à acheter. Alors là, je vous explique, ça va être un mix entre trucs à acheter et trucs à faire sponsoriser. Parce que bon, je vais aussi faire des vidéos ici, etc. machin. S'il y a moyen d'en faire sponsoriser une partie pour un peu baisser les coûts, voilà, ça, je pense que ça peut le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Avant tout, vu que je suis quelqu'un qui travaille sur internet, des PC. Et là, je suis allé voir mon ami Capette et il m'a conseillé des choses. Donc j'ai deux bêtes. Un PC de stream, voilà, fait sur Top Achat. Parce qu'en fait je stream en double PC. Un PC qui sert à jouer, un PC qui sert qu'à streamer. Les deux sont reliés par un Elgato que j'ai déjà. Merci Elgato. Et donc du coup, les deux PC, si j'en ai aucun qui est sponsorisé que je dois mettre de ma poche, j'en ai pour à peu près 3 350 euros. 3 300, bref, dans ces eaux là quoi. Et c'est des belles bêtes, le PC de jeu avec une 3070 dedans, un bon proc, etc. Bon, c'est conseillé par quelqu'un qui s'y connaît, donc a priori c'est cool. Le setup son, parce que c'est très important, le son, je vais prendre exactement le même. C'est-à-dire que moi je suis fier du setup son que j'ai chez moi. Il est fait par un ingé son et tout, quelque chose vraiment très quali machin. Donc histoire que ça ne change pas, j'aurai le même micro, les mêmes tables son. Ça, il y en a pour à peu près 1 000 euros. Et ça, c'est insponsorisable. Donc ça, c'est vraiment, on va mettre les sous, on va acheter sur Thomann, Woodbrass et ces trucs de mecs qui s'y connaissent en musique. À côté de ça, ça on peut peut-être gratter quelque chose. Il y a besoin d'un triple screen. Donc il y a 3 écrans, 2 pour le PC de jeu et 1 pour que je puisse monitorer le PC de stream du coup. Donc tu sais, s'il faut bouger à l'un à l'autre, je peux le faire. Les deux seront reliés avec un USB Ugreen 3.0, je vous l'avais montré dans ma vidéo setup, donc c'est une sorte de hub USB pour passer d'un PC à l'autre. À côté de ça, j'aurai besoin, et je pense qu'on va réinvestir sur des lumières LED, et là c'est des lumières, des sortes de grosses box comme ça, et ça sera dédié pour les vidéos. Je vais pas forcément repartir sur des Keylight Elgato, ou alors elles ne serviront que pour le stream. Et en plus de ça, je pense reprendre des Philips Hue. Vous avez vu celles que j'ai chez moi et que je peux contrôler avec mon téléphone, machin, etc. Ça donne petite ambiance romantique, sympathique et tout, c'est cool. Au niveau clavier, tapis de souris, machin, etc., en général j'utilise du Logitech. Il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, ça on verra. Enfin, en plus de tout ça, il y a divers accessoires, comme par exemple la perche pour tenir le micro. Il y a des accessoires comme par exemple le Stream Deck ou autre. Ça, je sais pas encore si on va pouvoir aller chercher des trucs, mais je pense qu'il y a moyen. Mais en tout cas, ça rajoute un petit peu de coût à la chose. Et enfin, il y aura le décor. Donc, imaginons que je vais prendre un nouveau tableau, une nouvelle affiche, rajouter des éléments. Bon, ça va aussi chiffrer. Le total...
va coûter environ, s'il n'y a rien qui est sponsorisé, dans ma tête, j'ai fait une estimation à peu près 6000 euros de matériel qui peut monter encore un peu plus selon ce que je vais prendre comme élément de décor. Et la note pourra bien entendu être abaissée si j'arrive à avoir 2-3 trucs sponsorisés, ce qui me permettrait d'amortir les coûts. Mais voilà, c'est à peu près le coût que ça va coûter pour me faire un truc vraiment clean. Mais sachant qu'on a un bail ici de 2 ans, ça me fait pas trop peur au final. Je pense que dans 2 ans, on va se faire dégager un coup de pied au cul ou pas? Dans 2 ans, on se fait dégager coup de pied au cul? Je sais pas, gros. Tu veux, dans 2 mois? Après 2 ans. Non, voilà, ça c'est. Je leur montrerai un petit peu. Regardez, j'ai. Attention, ça c'est la preuve de maturité que j'ai fait. Regardez, j'ai fait un Google Doc. Mais voilà, c'est la fierté de me dire que j'aurai un endroit dédié. Alors bien sûr, on espère que tout ne tombe pas à l'eau, mais pour la connexion internet, mais a priori, il n'y a pas de raison. Genre, c'est un endroit au centre de Lyon. Je pense que ouais, la connexion, ça va être pas le prank, mais le truc un peu compliqué. Ils vont nous faire galérer un petit peu, je pense, tu vois, quelques semaines. Genre, on a les clés début juin, je pense pas que je serai prêt pour début juin, mais mi-juin, peut-être fin juin. Peut-être pour l'euro. Ah ouais, mais l'euro, hein. Ce serait parfait. Ouais, ouais. 40 jours pour un rêve. Moi, je vais commencer à acheter des éléments pour le décor, pour mon côté, moi. Toi aussi, tu vas acheter des petits trucs? Ouais, genre petit canapé, là. Ah, ça, c'est petit canapé. Petit canapé à 300-400 balles sur Ikea, il faut bien, mais... Ah, ça mettra des sous, hein. Ça, mais il faut mettre des sous, mais il faut, hein. Petit canapé, ouais. Petite télé, tout. Ça, c'est pour le côté fun, c'est pas pour le côté pro, tu vois. Ouais, non, mais après, quand, moi, si je vais le louer, tu vois, que ce soit un lieu quand même agréable pour les gens, tu vois, qui viennent, donc ils peuvent se poser, travailler ici et faire leur shooting, donc... Ah, c'est faut un petit peu. C'est tout pour moi pour cette vidéo en tout cas. Content d'avoir pu vous remontrer la bête, d'avoir pu signer, d'avoir pu vous faire part de ce qu'on aimerait faire. J'ai commencé à recevoir des mails de personnes qui sont chaudes pour nous aider, voire certaines qui travaillent dans des sociétés qui seraient à même de peut-être nous aider, nous faire des devis et tout. Donc encore une fois, zachnanicis@gmail.com si vous pensez que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en décoration, en matériel, en travaux, en tout ce que vous voulez. C'est avec grand plaisir que je ferai appel à vous. On peut se voir, on peut payer, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et me concernant, je vais avancer et on vous fera des blocs, des travaux, tout ça machin. Le local qui avance, ça fait plaisir. À la prochaine les amis. Bisous. Il y aura beaucoup de vidéos si vous avez. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de vidéos. Quand on va aménager et tout, bah, ouais. Du vélo régulier. Ah bah full vidéo, ça va être incroyable. Ça va être très cool. Bisous.